Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. L'Éternel est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il règne et vit à jamais. Et si tu crois ça? L'Éternel est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il règne et vit à jamais. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, il est le Dieu tout-puissant. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, il est mon Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il règne et vit à jamais. Dis Jésus règne, il règne, oh, il règne. Et vit à jamais. Dis Jésus règne, il règne, oh, il règne, il règne. Et vit à jamais. Dis que Jésus règne, il règne, il règne. L'Éternel est Dieu, il est le Dieu qui restaure, il règne et vit à jamais. L'Éternel est Dieu, il est le Dieu qui bénit, il règne et vit à jamais. Dis Jésus règne, dis que Jésus règne, il règne, ah, 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 il règne et vit à jamais. Dis que Jésus règne, il règne, oh, 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 il règne. Jésus règne, il règne. Dis que Jésus règne, il règne. Oh, il règne et vit à jamais. Bénis le Seigneur, s'il te plaît. Glorifions le Seigneur pour ces jours qu'il nous a accordé d'être sur cette montagne. Pour l'exaucement, pour sa grâce. Zamorami nadeta wa anasma li falesman edanita udasto. Lasmanita overazo peroki anau eloka.
Salami anno baros peta udali felazen saouki. Dis-le Seigneur, je sais que tu m'as exaucé sur cette montagne. Je sais que 2022 sera une année différente. Korazawa anamoras plezano. Plezano. Selasman evanes taudal kemaros. Honora dominao la in el floza os. Man ideus man edanata bello wa ines propetaka. Samramita di fili mano de maza barus men evanos tau. Gloire à Jésus, Bari Anna. Gloire à toi, Seigneur, pour 2022. Bitanita wa Anna mera inna ou la ifili karsmota. Lozana samara zenao. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim. Est-ce qu'il est ton Dieu, mon frère, ma soeur? Tu es mon Dieu. Que nos cœurs s'élèvent vers son trône. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim, tu es mon Dieu. Elohim. Elohim, tu m'as aimé. Elohim, tu m'as aimé. Elohim, Elohim, tu m'as aimé. Il nous a appelés.
par Elohim. Tu es aimé par Elohim. Oh, je suis aimé. Je ne suis pas abandonné. Elohim est avec moi. Sura mi male vote, e sura mi varo. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Dis mon Père, mon Jésus. Seigneur, je te remets ma vie, ma famille pour 2022. Je te recommande mon année. Sois mon Dieu, sois mon salut, sois mon refuge. Je veux t'aimer, Seigneur. Marche devant ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen trois fois, je salue. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Prends ta Bible avec moi. Take your Bible with me. Un Samuel chapitre 3, verset 3. Devarami malokshiri. Et sera mi malo. Et c'est là. Et sera mi valseri. Et sera mi more vodelo. Quelqu'un peut lire? Et sera mi more vodelo. Spravito me lok surumi. Et sera mi mal gaksuri. Esperado me lok surumi. Et devara mi morevo, et suru mi malakino, et suru mi malaksuri, et saran morevo de l'oksuri. Amen. Oui. 1 Samuel chapitre 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu? Amen. Amen. 1 Roi 15, verset 4. Yévarami morevo zaro. Esurami morevo djeri. Esurami mongasuri. Oh, makrami dauslao. Esurami morevo djeloksiri. Ejerami malogelo. Esevara mi mora, nasera mi mogazuri, nasevara mi more vodiloxuri. Oui. 1 Roi 15, verset 4, je lis au nom de Jésus. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Dis mon Père, mon Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifest your grace. Ouvre mes yeux. Open my et bénis ma vie. And bless my au nom life. De Jésus-Christ. In the name of Amen. Jesus Christ. Amen. Acclame et tu t'assois dans clap sa présence. And sit down in his presence. Je verrai mes morts voler mes. Et sera mes mots, sera mes évaros. Et sera mes morts voler maxuri. Esuro mi mora banazelo ferakshiri. Esuro mi mora banazevaro sera. Zevaro mi mora banzore ifelo sera. On a le genre de chantier. On ne joue pas de ça les yeux fermés. Tu peux te retrouver dans la tente derrière.
vous n'apprenez pas, la sagesse ne vient pas dans vos cœurs. C'est les chansons, c'est mieux, tu balances à gauche, à droite, mais les yeux ouverts. Parce que... Et là, si je vois, c'est pas bien. Elles sont pas clamées pour tous nos mamans qui sont sur la montagne. Elles sont très braves. Que Dieu nous donne la grâce que vous avez de lui être fidèle à votre âge. Je vous célèbre au nom de Jésus. Vous êtes comme ça, mes mamans. Je suis fier d'être votre fils. Et j'ai remémoré vos aromélo. 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 Sera mi mora banelo de l'oxyde. M sera infini malo del Zavaro. Sera Zavaro mi mora infaule imu. E gera mi mora banasera lo azuri. Espravi mi rabina. Asura mi varo. Je prie qu'avant de descendre de ces montagnes, tu chantes en langue aussi. I pray before coming out from this mountain. Esura mi mora banazelo, feravo, sera. Feravo, sera mi mojero, mi sera. C'est pas qu'elle chante en langue, tu enjoy encore plus que moi. C'est ton chant. Esura mi mora banazelo, FMG, FM la même ça. C'est l'avion. Que Dieu te bénisse. Et God bless you. Laisse-moi te parler en quelques minutes de la lampe de Dieu. Let me talk to you in some few minutes. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. What many people don't know. Regardez, bien-aimé. Look, beloved. Dans le premier passage que nous avons lu, in the first la Bible parle du prêtre, le souverain sacrificateur Élie. The chief priest Eli. C'était un prêtre de Dieu. Was a priest le chef of des God, prêtres. The head of priests. Et il faisait le ministère avec ses enfants. He did a ministry with his children. Il avait deux enfants, Ophni et Phinehas. He had two children, Ophni and Phinehas. Et la Bible dit que Ophni et Phinehas, ses enfants, qui étaient aussi prêtres, étaient pervers. Ophni and Phinehas, his children who were priests, were perverse. Donc ils couchaient avec les femmes so au temple, dans le temple. With women in the temple. Et Samuel habitait dans le temple, là-bas, il dormait and dedans. Samuel slept in the temple. Et il dormait dans le temple. He slept in the temple. Et puis, and c'est là-bas que Ophni et Phinehas couchaient avec les femmes. That's where Ophni and Phinehas slept with Mais Samuel them. N'a pas suivi leur mauvaise voie. But Samuel did not follow Il a été exceptionnel. He was exceptional. Je vous ai dit l'autre jour que tu peux vivre dans une génération perverse et corrompue, I told you the mais garder la crainte de Dieu. Tu vis dans une maison, tout le monde sort, se prostitue, boit, drinks, va dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Mais toi, clubs, you, tu restes intègre. Stay faithful. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche that en nous en 2022. In us in 2022. Et je crois que Dieu a trouvé des personnes sur qui il peut compter en cette année qui vient. Et la Bible explique donc qu'il y a une phrase. Mais la lampe de l'Éternel n'était point éteinte. La Bible dit que les yeux du souverain sacrificateur Élie étaient déjà troubles. Donc il ne voyait plus clair. Mais la lampe de l'Éternel n'était point éteinte. Et si les hommes de Dieu me suivent, laissez-moi venir vers vous. Laissez-moi vous expliquer quelque chose là-bas. Let me explain something to you there. Et j'ai remémoré vos zéro. Et j'ai remémoré banasso legelo zévaro. Et j'ai remémoré banasso axori. J'ai remémoré banasso la oudelo vacori. Et sera infini milo de infarazo sera. Farazo sera mi mo, jerami segero. Esperavo bero da un maros asuri. Oscrevo mi nauda di forme rosere. Vous voyez, la Bible dit que les yeux du souverain sacrificateur Élie étaient troubles. Were troubled. Donc, il ne voyait plus bien, il voyait plus clair en tant qu'homme de Dieu. Mais God. La lampe de l'Éternel n'était point encore éteinte. Ça veut dire l'alliance de l'Éternel dans sa vie it était vivante encore. Elle était encore puissante. C'est quelqu'un qui est couché là-bas. Hein? Il est couché. Il est couché. Je vais passer, pardon. Et c'est là, laissez-le.
E sera mi morevo jevari. E sera mi moraban sokra. Excusez-moi, jevaro. E jevara mi moraban a sera mi assure. Bro, lève-toi. Toi aussi, tu es couché, n'est-ce pas? Mettez-vous debout. Tu es couché. Il n'y a pas de problème. Essayez de dire que tu dormais. Levez-vous. Chef de camp. Chef de camp. Il y a le travail ici. Prenez vos choses. Accompagne-la en bas dans le tente. E sera mi morai fili malo zevaro sera. Zevaro sera mi mo jerami. On parle des choses sérieuses comme ça, les gens jouent avec. S'il y a quelqu'un qui doit être fatigué ici, c'est moi, c'est pas vous. C'est ça la vérité. That's the truth. La Bible dit que les yeux du souverain sacrificateur étaient troubles. Mais la lampe de l'éternel n'était point éteinte. Laissez-moi vous montrer quelque chose, mes amis. Vous voyez cet homme. Ses yeux étaient troubles. Ça veut dire que spirituellement, il n'était plus bien répondant. Mais l'alliance de Dieu était vivante dans sa vie. Donc c'était le genre d'homme que si tu t'appuies sur le fait qu'il ne voit plus clair, pour lui parler mal, tu meurs. Parce que l'alliance de l'Éternel le gardait encore. Un homme de Dieu perd l'autorité lorsque l'alliance meurt. Mais méfie-toi de mettre la main sur un homme de Dieu qui porte l'alliance. C'est dangereux. Quoi qu'on parle ainsi, il y a des gens qui vont encore mourir cette année. Il y a des gens dont les vies seront hypothéquées. There are people whose lives cet homme qui avait les yeux troubles this eyes that had trouble, this man a produit l'un des plus grands prophètes d'Israël, le patriarche de la généalogie des prophètes Rohe, prophète Samuel. Et cet homme qui avait les yeux troubles, la preuve c'est qu'il a prophétisé sur Anne. The proof is that he prophesied mais ce n'était pas exact. But it wasn't exact. Il a dit à Anne, fais passer ta boisson. Anne lui a dit, papa, moi je ne bois pas. Anna said, I don't drink. Donc tu ne bois pas. Ah, excuse-moi, je croyais que c'est le vin. I thought it was wine. Et il dit, quel est ton problème? Il dit, ta servante n'arrive pas à enfanter. Your servant il lui dit, va. Deliver. He says, go. Dieu t'a exaucé. God has l'année prochaine, tu vas avoir l'enfant. Next year, you have a et la prophétie qu'il a donnée s'est accomplie. L'année qui venait, Anne, la stérile, a porté un enfant. Mais cet homme de Dieu avait les yeux troubles. But that man of God les yeux troubles représentent un état de faiblesse. It represents a state of weakness. Un état d'affaiblissement spirituel. A spiritual weakness. Mais l'alliance de Dieu était là. The covenant of Samuel, God was there. Samuel, il a produit Samuel malgré ses yeux troubles. He produced ce qui a produit Samuel, ce n'était pas ses yeux troubles. What produced mais Samuel c'était quoi? Was not the troubled eyes, l'alliance, was the covenant. La lampe. Il était la lampe de Dieu. He was the lamp of God. Lorsque Dieu appelle un homme, il fait de cet homme une lampe dans sa génération pour éclairer des nations, des familles tout entières. S'attaquer à un homme de Dieu qui porte une alliance, parce que c'est la présence de l'alliance dans la vie d'un homme de Dieu qui fait de lui une lampe de Dieu pour sa génération. Essayer de faire du mal à un homme de Dieu qui porte une alliance, c'est tenter d'éteindre la lampe de Dieu. Or, un homme ne peut pas éteindre la lampe de Dieu. Un homme ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous devons protéger les lampes que Dieu nous a données. Vous devez être conscient que les hommes de Dieu sont un don. Et dans le deuxième passage que nous avons lu, le livre d'un roi, la Bible parle de Salomon. La Bible dit qu'à cause de David, Dieu a pourvu. Lis un peu ça, lis un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Oh, hallelujah. Salomon était une lampe de Dieu pour Israël. Pas parce qu'il avait une alliance avec l'Éternel, mais à cause de l'alliance de son père. L'alliance de ton père peut faire de toi une lampe. Your father's covenant can make of you a lamp. Ton amen, si c'est comme Maranatha.
Nous allons produire des lampes sur la montagne au nom de Jésus. Je prophétise que tu seras une lampe en 2022. Je prophétise que ta lumière brille au nom de Jésus. Je prophétise que personne n'éteindra cette lumière dans le nom de Jésus. Le démon qui empêchait ta lampe de s'allumer est tombé ce soir. La gloire de Jésus-Christ va commencer à briller sur ta vie. La lampe que tu es s'allume sur cette montagne et ce feu embrasera les nations dans le nom de Jésus. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Lorsque j'étais au séminaire de théologie, j'ai vécu une scène. L'Esprit de Dieu m'a dit, jeune Ferdinand. The Spirit of God told me, first, j'étais en première année. Ferdinand, I was in first year. Il m'a dit, première année ou deuxième année. Il dit, jeune. First or second year, he said, fast. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas jeûner. I said, no, I don't want to fast. Il dit, non, Ferdinand, jeûne. He said, no, et j'ai jeûné. Fast, and I fasted. Premier jour, first day, nous étions aux assemblées de Dieu dans la semaine qu'on appelle la semaine de Pentecôte. In a week of Pentecôte. La semaine de Pentecôte, on interchange les pasteurs dans les églises. Dans cette semaine, le dimanche, là, ce n'est pas ton pasteur qui te prêche, c'est notre pasteur. Pour permettre aux églises de connaître leur pasteur. Mais ça, c'est pour les pasteurs, les révérends et tout ça, pas pour nous les étudiants. J'ai jeûné le premier jour. Le soir, je vais casser le jeûne. Le Seigneur me dit, ne casse pas, continue. J'ai continué le jeûne deuxième jour. Je vais casser l'Esprit de Dieu, dit, ne casse pas. Continue le troisième jour. Je suis entré dans le troisième jour en murmurant. I enter the third day murmuring. Quelqu'un n'a pas le programme de jeûne. Tu viens, tu forces maintenant. Qu'est-ce que tu forces maintenant? Quelqu'un jeûne, forcé. Donc je murmurais, mais en gênant quand même. Murmuring while fasting. Et le soir du troisième jour, the evening of the third day, le doyen des étudiants m'a appelé. Principal of the students et il m'a dit, called me. Pastor Ferdinand. He told me, Pastor Ferdinand. Comme le pasteur qui devrait venir faire la Pentecôte à l'école biblique a été empêché, c'est toi qui vas prêcher à sa place. Et j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me demandait de jeûner depuis trois jours. Et donc on m'a pris, on m'a sorti du dortoir des étudiants, on m'a amené dans la chambre des profs. Dormitory, they brought me to the room. On m'a fait un repas. Enfin, on m'a honoré comme s'il honored était là, non? Me like he was there. Mes amis, my friends, on m'a fait un genre de repas que they did a type of meal that je n'ai plus regretté pourquoi j'ai jeûné trois jours. Did not regret why I fasted for three un repas, c'est-à-dire qu'il y a l'onction du rachat à l'intérieur. J'ai mangé bien. On m'a apporté le jus, j'ai bu. Drink, mon ami, my friend, le genre de repas, là, tu allais voir ça où? That type of meal, le genre de jus. Tu es l'enfant de Paul Biya. Tu bois le jus à l'école biblique à l'époque. Ah, c'est le jus bien glacé. J'ai bu. I drank. La nuit, at night, j'ai fait une vision. I had a vision. La première nuit, je dors dans la chambre. Là. The first j'ai fait I une vision. Room, I had a vision. Dans la vision, in that vision, un homme de Dieu vient me voir. A man of God comes et me dit, to oh, me, tells me, oh, Pastor Ikane, Pastor Ikane, pardon. Please, je vois que ta lampe est allumée. I see your lamp is on. La mienne est éteinte. Mine is il n'y a off. Pas le pétrole. There is no petrol. Tu as le galon de pétrole. Verse-moi un peu le pétrole. Tu allumes pas. Please pour a bit of petrol. J'ai dit il n'y a pas de problème mon frère. I said, j'ai pris no problem, mon pétrole. J'ai mis dans sa lampe. J'ai allumé. Il est parti. He went. J'entends ma chambre. J'entends le bruit dehors. My room, I hear noise. Quand j'ouvre la porte, je trouve un long rang de pasteurs. I find a long avec les lampes éteintes en main. Roll of pastors with off on a appris que tu as le pétrole. We learned you have petrol. Pardon, allume nos lampes. Please on our lamp. J'ai commencé à verser le pétrole à la lampe. Allumé. Pétrole, lampe, allumé. Long rang. Pétrole, lampe, allumé. Pétrole, lampe, allumé. Pétrole, lampe, allumé. Pétrole, lampe, allumé. Pendant que je faisais ça, when la nouvelle se répandait that, qu'il a le pétrole. The news was et les hommes de Dieu venaient en courant, hein. Avec la sueur sur eux. Running with sweat on them. À un niveau, je leur ai dit que mes frères. At a level, I told them my brothers. Ma part risque s'éteindre. Mine might go off. Parce que mon pétrole risque de finir. Because my petrol might. Et je me suis réveillé. And I woke up. Aujourd'hui, je comprends. Today, I understand. Que Dieu a mis quelque that chose God en moi pour beaucoup de ses serviteurs. For many of his servants. Il n'y a qu'une lampe de l'Éternel pour allumer une autre lampe there de l'Éternel. There is just a lamp of the Lord to on another lamp of the Lord. La bougie n'allume pas la lampe. Candle cannot on il faut a lamp. Une lampe de Dieu. You need a lamp of God pour allumer la flamme de ton ministère. On the flame of your ministry. Cette année qui vient, this coming year, ton ministère va briller comme tu n'as jamais pensé like ni imaginé. You never thought nor imagined. Cette année qui vient, ta this vie va briller year, telle que tu ne l'as jamais imaginé. Like dans le nom précieux et souverain in the de Jésus. Asseyons-nous que Dieu nous bénisse. Down, bien-aimé,
Beloved, nous sommes la lampe de Dieu pour vous. We are the lamp of God. Lorsque for les you. Gens se soulèvent contre when nous, méfiez-vous, c'est des agents de Satan qui veulent éteindre la lampe de l'Éternel pour que vous marchiez dans les ténèbres. La Bible dit que lorsque Jésus était sur terre, the Bible says when Jesus les gens n'ont pas compris. People did not understand. La Bible dit qu'elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. La lumière lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et quand Jésus était là, il a dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. C'est ça devenu une lampe. Et les gens n'ont pas voulu accepter la lumière et la lampe que Jésus-Christ était pour la nation jusqu'à ce qu'il meure. Et que la nuit tombe sur Israël pendant 3 heures. La Bible dit qu'en plein jour, la nuit est tombée. Night fell. Parce que la lampe d'Israël s'était éteinte. Because the lamp of Israel was quenched. Il y a des hommes. There are men. Que s'ils tombent, if they fall, beaucoup de destinées meurent. Many destinies die. Il y a beaucoup d'hommes. There are many men. Que s'ils tombent, that if they fall, ils entraînent dans leur chute des milliers de personnes. They bring in their fall thousands of people. Il y a des gens qui doivent être maintenus there debout. Are people who should be maintained. Il y a des gens qui doivent être protégés, préservés avec jalousie. Protected, preserved with jealousy. Parce que pendant qu'ils vivent, because while they are nous alive, vivons. We live. Protégez vos hommes de Dieu, protect mes amis. Your men of God, priez pour vos hommes de pray Dieu. For your men of God. Prenez vos hommes de Dieu comme quelque take chose de sacré. Your men of God like parce que c'est ce qu'ils sont. Because that is what they nous are. Sommes la lampe de Dieu bien-aimée. We are the lamp of God beloved. Il y a beaucoup de personnes there are many people qui se sont mariées who got married parce qu'ils nous ont rencontrés. Because they encountered parce que la malédiction a été ôtée. Because the curse was removed. Il y en a beaucoup qui étaient malades many were sick à la mort. To death. J'ai rentré au culte l'autre jour. Je ne sais pas qui m'a dit dans la voiture que hey, regarde le frère, il marche depuis des années. Pourtant, il était venu, il mourait. Nous redonnons l'espoir à plusieurs. We give back hope to many. Paul dit que. Paul says, c'est-à-dire, quoique manquant de tout, nous ne sommes pas pauvres, nous enrichissons les gens. We are not poor, we enrich people. Or, un why pauvre n'enrichit pas. A poor does not enrich. C'est un riche qui enrichit. It's a rich that enrich. Nous pouvons libérer ta vie de sa prison. We can release your life from nous pouvons dire que l'année prochaine, cette hypothèse va t'arriver, ça va arriver. On peut te bénir la malédiction, la maison de ton père et de ta mère est foutue. Tu es libéré. On peut déclarer que tu seras différent, plus grand que les enfants de ton père et de ta mère. Cette parole, Dieu veille sur elle pour l'exécuter. Nous sommes la lampe de Dieu pour cette nation. C'est pour ça que la nation camerounaise doit apprendre à honorer ses prophètes, sinon elle sera maudite. Méfiez-vous. Lorsque quelqu'un, j'ose dire une chose, Dieu m'a dit un jour, beaucoup de mes filles ne se marieront jamais à cause de leurs murmures contre mes serviteurs. Parfois la malédiction te frappe, tu ne sais pas. Tu penses que c'est le diable. Pourtant c'est à cause du mépris, la main que tu as tendue contre un oint de l'Éternel. Dieu te punit pour toujours. Tu n'arrives jamais à te marier. Tu n'arrives jamais à avoir d'enfant. You never succeed to have a child. Tes affaires n'arrivent pas à décoller. Tout ce que tu touches meurt. Touch mais tu ne te rends pas compte que je me suis attaqué contre une alliance. I attacked myself against a covenant. Lorsque ton père when your father porte une alliance carries et qu'il est fâché contre toi, and is angry les portes with de ta vie sont fermées, the mon doors ami. Of your lives are closed. Vous pensez que Dieu va sauter le père do you think pour traiter God avec le fils the father to treat with his son? Le Dieu que je sais n'est pas déloyal. The God I serve même si ton père a tort. Even if your father is wrong. Regardez, hein. Look. La Bible, dans la paternité ou la maternité in spirituelle, maternity, la Bible dit que Agar, à un certain moment, s'est mal comporté envers Sarah, non? Sarah. Et qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible que Sarah la maltraita. Her. Sarah fut méchante Sarah envers Agar. Et Agar fuit. À cause de quoi? La méchanceté de Sarah. Sarah. On ne parle pas souvent de ça. Mais elle était méchante envers sa servante. Et lorsqu'elle va dans le désert, l'ange lui apparaît. Et l'ange demande, tu vas où? Where are you going to? Elle lui donne la raison. She je fuis loin de ma maîtresse parce qu'elle me maltraite. L'ange lui dit quoi? Retourne, t'humilier. Quoi qu'elle te maltraite, c'est la servante de mon Seigneur. Va t'humilier. C'est pas normal, mes amis. It is not normal, l'ange ni l'Éternel n'ont jamais fait le reproche à Sarah que and pourquoi the angel, the tu as maltraité Agar.
Mais c'est à Agar que le reproche a été fait. Parce qu'elle était la fille. Et Sarah était la mère. And Sarah the mother. Lorsque Moïse s'est levé, when Moses arose, il a parlé de la part de l'Éternel. Il a dit par l'Éternel des armées. Interdiction absolue. Absolute forbidden. À tout homme de la maison d'Israël de poser une femme non juive, une femme païenne. A pagan woman. Et Garita wa anna helomi tanta udali valaza. Il leur a dit ceci. He told them this. Il a sorti un décret un jour. He removed a decree one day. Tous les hommes d'Israël, all the men of qui ont pour épouse des païens, sortez-les. L'Éternel a dit, the Lord said, elles doivent mourir aujourd'hui. They must die today. On a massacré en ce jour des centaines et des centaines de femmes païennes. They killed in that day hundreds and hundreds. On a égorgé d'autres. They slaughtered others. On a percé d'autres avec les pieds. On les a massacrés. Quand on a fini, when they finished, on a dit ok. They said okay. Pour nous, c'est fini. Our own is finished. Toi-même, you also, tu as épousé une étrangère. Married a stranger. Bring her out. Moïse dit que Moses said that tu ne tentes pas. You don't dare. Il ne sort rien. I won't remove anything. Il a préservé sa femme. He preserved his wife. Son grand frère, sa grande sœur se sont fâchés. His other brother and elder sister dit, got Moïse said, but Moses ne respecte pas la parole qu'il enseigne. He teaches. Et c'est vrai. And it is true. Il a dit qu'on ne doit pas épouser les femmes étrangères. Mais il est allé but he went épouser to marry une femme étrangère. A strange woman. C'est contraire à son évangile. It is contrary to his il dit gospel. Dieu dit de tuer les femmes étrangères. God says he should kill mais lui them, préserve Sephora. He preserves Sephora. Tout le monde tue sa part. Pour lui. Kills his own. Imaginez-vous ce que les hommes allaient ressentir. Imagine en ce jour. Moïse était dans le tort. Was wrong. Et ce sont eux qui avaient raison. And it is them. Et donc son grand-père et sa grand-sœur disent non. So his other brother, mais ce garçon se prend no pour qui? But what does he take? Et il nous berne. For? Il nous trompe. He deceives us. Il prêche ce que lui-même ne respecte he pas. What he doesn't respect. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Aaron et contre Marie. Pas contre Aaron Moïse. Mary, not against Moses. Mais la position d'Aaron et de Marie but était légitime. Of Aaron and Mary was legitimate. Mais Dieu leur a dit, vous n'avez pas le droit but God told them, de pointer le doigt sur mon serviteur. Point your finger on my je ne lui ai pas parlé. Vous ne devez pas lui parler. I did not talk to him. You don't have to. Il a frappé to Marie de lèpre. He struck Mary. Est-ce que Marie et Aaron étaient fautifs? Were they non wrong? No. Est-ce qu'après ça, Dieu instead a fait des reproches à Moïse? Did God blame non Moses? Au contraire. Instead, la Bible dit que the Bible says il était interdit de prendre des femmes étrangères. It was forbidden to sauf take Moïse women strangers, qui a pris une femme étrangère who took parce qu'il cherchait une postérité. He looked for a posterity. Les autres, ce n'est pas la postérité qu'ils cherchaient aussi. Les autres, c'était aussi la postérité. Pourquoi donc pour Moïse c'était différent? Why is it that for Moses was different? Parce qu'il était la lampe de Dieu. Because he was the lamp Dieu of God. A ses raisons God has his reason dans ses relations avec in ses his joints relationship with his qu'on ne peut pas comprendre. That you can't understand. Est-ce que vous suivez? Do you understand? Moïse était la lampe de Dieu. Et Moses Dieu chérissait la lampe God de Dieu. And God Aaron pouvait mourir. Ça Aaron ne changerait rien dans la destinée d'Israël. Marie pouvait mourir. Ça ne changerait rien. It will not mais le destin anything d'Israël était sur les épaules de Moïse. Il fallait qu'il vive. Il y a des gens sur qui Dieu met un point d'intérêt parce que la vie de plusieurs dépend de leur vie. C'est pour ça que Dieu les maintient debout. Lorsque Abraham, Abraham, la lampe de l'Éternel, the lamp of the Lord, s'est retrouvé coincé financièrement, il a dit à sa femme, allons en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte. Et puis il a réfléchi, il dit, attends ma he femme. Parce qu'il s'entendait beaucoup avec sa femme. Il dit, chérie, j'ai un plan. Darling, I have a plan. Elle dit quoi? She said, il dit, on aura l'argent, tu vas voir. We will have money, you'll see. Voilà. Elle dit, comment? She said, il dit how que je vais he said, I want te donner un mariage. To give you in marriage. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, she tu said, vas how voir. No, you see. Je vais exiger une grosse dot. I'll ask a big bride price. Et donc, Pharaon appelle Abraham. Il dit, Pharaoh la femme qui est avec toi, c'est qui? Says, il dit, c'est ma soeur. With you, who is she? He says, my il dit, sister. Je peux l'épouser. Il dit, can ah, I marry her? Elle fait quoi à la maison? Si tu as les moyens, on s'arrange. Sarah n'a pas Sarah dit que c'est mon mari. Did not say it's complicité. My husband. Elle est donc frappée, complicity. Pharaon. And le gars, c'est là que la richesse d'Abraham a décollé. That's where the il est sorti de l'Égypte, c'est là-bas qu'ils ont eu Agar et beaucoup d'autres serviteurs que le pharaon. Parce que Agar c'était une Égyptienne. Hagar c'est pharaon, c'était la dot de Sarah.
Le gars a eu des bœufs, des troupeaux, de gros, de menu bétail. Ils ont pris. Abimelech savait que ça, c'est ma femme. Abimelech knew that this is my wife. La nuit. At night. Abraham met d'abord ses bœufs, tout. Les serviteurs hors de la ville. Et dit, attendez-moi, il entend brousse. Wait for me. Et dit, Seigneur, ma femme. Seigneur, je veux récupérer ma femme maintenant. On est prêt pour le voyage. We are ready for the journey. I want my wife. Dieu dit à Abraham, attends, je vais la chercher. God tells Abraham, wait, let me look for her. Le Seigneur entre dans le palais. The Lord enters the palace. Pendant que le roi dort, while the king is asleep, Dieu lui apparaît en rêve. God appears to him in a dream. Il dit que tu as quelque chose qui ne t'appartient pas dans le palais. Abimelech dit qu'il n'y a rien dans cette maison qui m'appartient pas. He said, there is nothing. Il dit que la femme que tu as prise là, that woman, elle a un mari. Abimelech dit qu'elle n'a pas de mari. Elle a un grand frère et son grand frère me l'a donné. Il dit que c'est un prophète. C'est la femme d'un prophète. Ne touche pas. Mes amis, Dieu lui dit c'est la femme d'un prophète. Donc ne touche pas la femme d'un prophète. On ne touche pas ce qui appartient à un prophète. Dieu est jaloux de ses prophètes et jaloux de ce qui appartient à ses prophètes. Mes amis, j'ai vu des gens mourir à cause de moi. I saw people dying. J'ai vu des gens souffrir à cause de moi. Je vous dis la vérité. J'ai raconté l'histoire, j'étais à Magba. I was at Magba. Comme professeur lycée, je ne t'aime pas à cause de Dieu. Hein. I was not yet man of God. J'ai donné un coup de main à la CMC comme pasteur là-bas. I was given a math class en 2002. Il y a une sœur Hélène. Sister Helen. Je suis venu dans la cellule que je tenais à Magba. In the cell j'ai prêché. Magba, I preached. Quand j'ai fini la prédication, elle m'appelle. When I end the preaching, she et elle me dit, she tells me, elle m'insulte. Que vous les petits enfants d'aujourd'hui, like you, the little children of today, pour peu que Dieu te donne la Bible, tu viens exposer ma vie en public comment? Bible, you expose my life in public how? Dès que Dieu donne une petite révélation, vos oreilles dépassent la tête. Avec tes oreilles, mais d'abord comme deux antennes paraboliques. Tu crois que tu connais même quoi? Tu m'exposes, tu m'exposes. Je lui ai dit, je ne savais pas que tu exposais. Et je ne me sentais pas bien à l'époque. Elle m'a morigéné, elle m'a sermonné, elle m'a sémonché. Je l'ai écouté. Quand elle a fini, je lui ai dit, tu as fini, elle a dit oui. J'ai dit, je peux aller me reposer. Elle a dit oui. Quand je suis allé, mon cœur était brisé. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, mon Seigneur, je demande deux choses. Passe ton baume dans mon cœur et accorde-moi le sommeil. Et Dieu m'a exaucé, il m'a accordé les deux choses. J'ai dormi. Le lendemain, je suis allé au lycée enseigner. Quand je reviens, je trouve une obule. Une petite note sur la table. Ma mère me dit, c'est la sœur Hélène qui a laissé, qui a envoyé sa fille laisser ça. Quand je lis, when elle I dit read, là-bas, s'il te plaît, viens urgentement chez moi. Come urgently to my je suis en train house. De mourir. I am dying. Quand j'arrive chez cette femme, when I arrive her house, elle me dit que she je te demande pardon, elle se met à pleurer. Je lui dis, je t'ai pardonné avant que tu ne m'offenses même hier. Pour moi, j'ai oublié. Elle dit que tu as oublié, mais pour l'Éternel, ton Dieu. Il ne l'a pas oublié. J'ai dit comment? Elle me dit que quand je t'ai insulté, quand je suis sorti de ta maison, quand je suis entré chez moi, c'est ma fille qui a fermé ma porte. J'étais incapable de tirer la porte, j'étais mourant. Et cette nuit, j'ai fait une vision où l'Éternel, ton Dieu, m'est apparu. Et il m'a demandé, où as-tu pris l'autorité de parler ainsi à mon serviteur? Maintenant, appelle-le qui prie pour toi, sinon tu mourras. Et moi, j'étais étonné. Quoi? Ça signifie quoi ça? Je ne comprenais pas encore ça. Je n'ai pas compris que Dieu avait fait de moi une lampe dans ma nation, dans cette génération. Et j'ai prié pour elle. Un jour, un frère qui était un ami à moi, Ibrahim, on a eu une discussion biblique. Je lui ai dit non, c'est comme ça. Il m'a dit non. Après, il m'insulte. Tu penses que tu connais plus que qui, hein? Il m'a parlé. Et donc, j'ai dit ok, ça va. Je suis allé me coucher. À 5 heures, c'était la prière de minuit. La prière de 5 heures, il toque chez moi. J'ai dit, je n'ouvre pas. Il me dit que non, tu dois ouvrir. J'ai dit, je ne peux pas ouvrir. Je ne prie pas avec toi. Il me dit, vraiment, si tu n'ouvres pas la porte, je vais casser. Parce que c'est urgent. J'ai dit, comment? Il me dit, la nuit, si le Seigneur m'apparaît en vision, il m'a dit, où as-tu pris l'autorité d'insulter mon serviteur? Va demander pardon. Sinon, ma colère s'abattra contre toi. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vécu ce genre de choses. Ne touchez point mes oins. Et ne faites point de mal à mes prophètes. Il parle de cela. Vous devez savoir que Dieu est jaloux de ces lames. Tu peux juger un homme de Dieu comme tu veux. Ça, c'est ton affaire. Mais méfie-toi. Méfie-toi. C'est une zone
dangereuse. Et c'est pour ça que beaucoup dans nos églises sont sous la malédiction. Quelqu'un malade, tu pries, la personne ne guérit pas. Parce que sa maladie, c'est la colère de Dieu en fait. À cause des choses et des pensées méchantes que la personne a envers son homme de Dieu. Tu peux sourire avec moi. Pourtant, dans le secret, tu me maudis dans ton cœur. Mais mon Dieu lit les cœurs. Tu oublies qui sont des cœurs et les reins. Et il te rendra en secret ce que tu penses de moi en secret ou ce que tu dis de moi en secret. On ne joue pas avec ces histoires-là. Don't play with these issues. Moi, j'ai eu quelqu'un que j'ai présenté comme mon père. Beaucoup de gens savent l'histoire. Qui a pris avantage sur moi, contre moi, pour me calomnier et diviser l'église. Il a commencé l'église. Il avait même l'overflow. J'ai dit à Dieu, si un jour j'ai été méchant avec cet homme, sois juge. C'est dangereux si je le dis. Si je ne parle même pas, tu es dans les problèmes. À combien fois tu as raison si j'appelle Dieu à témoin? Je me force à être droit envers tous, être les mains pures devant le Seigneur. Mon cœur n'a aucune haine envers qui que ce soit. Je suis vrai. Et si tu es faux, ça t'agace. Tu porteras les conséquences tôt ou tard. Il s'agit de ta vie, c'est pas ma vie. Il a fait ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il est où aujourd'hui? Tout le monde l'a abandonné. Et il est retourné faire les champs. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Le Dieu que moi je sers, prophète Ferdinand Ekane, c'est pas une idole. Il est dangereux. Il est redoutable. Il est aussi un feu dévorant. Les gens doivent savoir ça. Les anciens qui ont marché avec nous savent que tous ceux qui se sont opposés à ce ministère sont morts. Died. Tous. All. Tous ont péri. All have perished. Jeunes ou vieux. Young or old. D'autres ont perdu leur emploi. Others lost. D'autres ont été relevés de leur fonction. Others were removed from Je n'ai jamais functions. Vu quelqu'un se lever contre ce ministère, dit que je suis ennemi à Ebogo. Nous avons quitté Ebogo à cause d'un docteur qui barre la voie. Je vais adorer mon Dieu. Il barre la voie. Il soulève le quartier contre moi. Ils font des pétitions contre moi. Il me convoque chez le sous-préfet. J'ai dit je ne viens pas. C'est à cause de cet homme que j'ai laissé Ebogo pour aller ici. To go here. On dit qu'on ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. Ça fait plus de deux ans qu'il a abandonné sa maison parce qu'il était gravement malade. Dès qu'on est quitté, il est tombé malade. C'est l'Éternel qui l'a frappé. It is the Lord that struck him. Son orgueil est où? Where is his pride? Où est sa force? What is his force? On ne combat pas Dieu, mes amis. You don't fight God, my On friend. Ne combat pas la lampe de Dieu. C'est plus fort que toi. God, it is stronger than tu ne you. Peux pas. Tu cherches you la mort. Cannot, you're looking for death. Tu cherches la mort. You're looking for death. Bénis soient ceux qui préservent la lampe de l'Éternel. Blessed are those who preserve the lamp C'est pour of ça the que Lord. Je vous ai dit que That's what I told you la that. Mort frappe autour des hommes de Dieu. Death is amongst men of à God. Cause de la familiarité. Because of familiarity. Craignons l'Éternel. Fear the Lord. Craignons Dieu. Let's fear God. Il dit quoi que ses yeux étaient troubles. Though his eyes were troubled. La lampe de l'Éternel n'était the lamp point of the Lord was not quenched. C'est dangereux lorsque It tu deviens ennemi de quelqu'un dont la lampe est allumée. Of someone whose lamp Mon ami, is tu on. Ne peux pas t'en sortir. My friend, you can't succeed. Des soldats ont juste manqué de respect so à Élie. Just Ils sont morts. Elijah and they died. Il a décimé. He killed. Les escadrons. Élisée rentrait. Les enfants plaisantaient juste que monte chauve, monte chauve, monte chauve. La Bible dit qu'il les a maudits par l'Éternel. Et deux ours sont venus manger près de 45 enfants. Two bears came to eat more than 45 children. On s'attaque à la lampe de Dieu, même si tu blagues. Attack yourself to the lamp of God, even if les soldats peuvent dire non. Say, ils ont parlé à Élie sans respect. They spoke to Élie leur a répondu aussi sans respect. He answered without si respect. Je suis If I prophète, am prophet, quand vous appelez prophète, as you call pour me prophet, parler comme un enfant, to talk to me que as le a feu child, descend. Let fire come feu down, descendu, ils sont morts. Fire came down and they died. Deux versets. Ah, viens ici, viens. Prophète quoi? Ah, tu m'appelles prophète et tu me parles comme ça. You call me prophet, C'est pour ça que like that. That's why
les hommes de Dieu appelés de Dieu, méfions-nous de nos bouches. Let's be careful. Contrôle ta bouche. Ne sois pas prompt à maudire. Don't be prompt to curse. Parce que sinon tu feras souffrir beaucoup de personnes et tu priveras beaucoup de familles de leurs membres. Il faut la patience. You need patience. C'est très important. It is very important. La lampe de l'Éternel. The lamp of the Lord. Il n'y a rien que Dieu chérisse there comme is God ses lampes. Like his lamps. Parce que ça lui coûte. Because it vous savez ce que ça coûte à Dieu do you know what it costs de former un homme de Dieu to train a man of God. Dieu m'a dit lève-toi honte en 2012. Mais ma formation a commencé en 1994. My training started in 1994. J'ai vu de toutes les couleurs. I saw pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. To become the man I am et tu vas te lever et tu parles. And you'll stand and talk. Je ne te réponds pas, mon ami. And I will answer you, my friend. Parce que tu as déjà les problèmes. Because tu es déjà dans you les already problèmes. Have problems. You're already in trouble. La Bible dit the Bible says que Jacob travaille pour Laban pendant 21 ans. Jacob works for Laban for 21 10 fois years. Son salaire est changé. 10 10 fois Laban le frappe. Change. Et Jacob, and Jacob, qui est une lampe de l'Éternel, that is a lamp of the Lord, prie. Pray. Et Dieu lui dit ok. And God tells him okay. On va frapper le frappeur. We'll steal the thief. Dieu lui dit va prendre telle plante. God tells him go and take this quand, plant. Quand les brebis accouchent là. When the, mets ça sous elle. Tu mets le feu. La fumée là va aller t'acheter. That's comme ton beau-père a dit que ce qui est acheté parce que ça ne sera pas t'acheté. C'est ça il sera pour toi. Il sait que tu ne vas rien avoir. Tout sera blanc. Mais put. Et quand il disait ce qui est acheté à toi, Jacob faisait ça. Jacob toutes les brebis soient achetées. Tous les agneaux. Et il prenait. Son beau-père n'avait même pas une. He took all. His father-in-law did not après son all. Beau-père voit, il dit, ah non. Il dit maintenant, hein, says, no, tout ce qui est acheté, c'est pour moi. Tout ce qui sont white, blanc, ça sera pour toi. White, Dieu lui dit, ok, ne tape plus la fumée sur eux. Okay, après ça, couche, tout est blanc. Son beau-père dit, c'est comment? C'est Dieu qui donnait, qui a pris la fémania à Jacob. C'est Dieu qui lui donnait le secret. God gave maintenant, Jacob a frappé et puis il est parti en plein he jour. Son père, son beau-père est parti dans les champs, regarder les champs. Il a fui. Lorsque Laban rattrape Jacob, il dit à ses frères, je le rattrape, je le tue. I catch him, okay. La Bible dit que la nuit, the Bible says la veille night, avant de tuer Jacob, the eve before killing Dieu lui apparaît Jacob, en vision. God appears to him Dieu lui in dit, vision. Si tu touches un seul God cheveu, tells him, if you touch one hair, tu parles en mal. You talk juste en mal. Just in evil. C'est-à-dire que tu lui dis bonjour avec erreur. That is, you say good morning with je te error, tuerai. I will kill you. Il dit à Dieu que mais il a frappé mes brebis. Dieu a dit que tu as suivi. Tente de lui parler mal, tu vas mourir. Et il dit à Jacob, he tells Jacob, ce qui m'a sauvé, ce qui te sauve, what c'est que ton you, Dieu m'a interdit de te toucher, de te your parler. God forbid me from touching you, not talking to you. Que that's Dieu why. Menace nos ennemis pendant cette année. May God threaten our enemies during this year. Que l'Éternel menace tes ennemis may en 2022. Your enemies in 2022. Si tu dis un amen meilleur, if ça va arriver. Better, amen, it will happen. Vous voyez, mes amis. You see, my friends. Il y a des gens qui portent la jalousie de Dieu. The jealousy of God. Hein? Ça veut dire quoi ce qu'elle a dit? Anetala, hein? Anengala. Bon, ça va. Il y a des gens there qui portent who carry la jalousie de Dieu. God's jealousy. La Bible dit notre Dieu est aussi our un God Dieu jaloux. Il s'appelle aussi jaloux. God. Lorsque tu tombes sur quelqu'un que Dieu chérit, tu tends ta main sur la personne, tu es fini. Your hand on that person, you're finished. Don't die. Les gens meurent. Laissez-moi vous montrer une chose. L'apôtre Paul donne une révélation. Il dit que lorsque vous prenez le corps du Seigneur, vous prenez sans discerner le corps du Seigneur. Et leur explique que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, des infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Mais ils ne savaient pas que c'est parce qu'il méprisait le corps du that Seigneur. Juste la Sainte Seine. Ils prennent la Sainte Seine comme sur le petit déjeuner. Paul dit que c'est pour ça que la malédiction a frappé l'église primitive. Dieu peut te maudire sans que tu te rends compte. Tu peux penser sur le diable qui t'attaque. Pourtant ton ennemi c'est pas le diable, c'est Dieu qui s'est érigé en ennemi. Et la Bible dit ceci. Si un homme a
un problème avec notre homme. A man has a problem with un homme peut intercéder pour lui. A man can intercede for Mais him. Si un homme a But des problèmes avec Dieu, has problems qui intercédera God, pour lui? Who will intercede for him? Si ton problème vient de Dieu, je If peux your faire problem quoi pour comes toi? From God, what can I do for you? Mais bien aimé, beloved, ta bouche peut te tuer. Your mouth can ta kill you. Your mouth can kill you. Tes pensées, your thoughts contre les lampes de l'Éternel, the lamps of the Lord can kill you. Si tu es dans l'atmosphère, si un jour tu as levé ta bouche contre un loin de Dieu, ou pensé du mal, ou répandu la calomnie, ou conspiré, répands-toi avant que tu ne meures. Before you die. Lorsque tu portes une malédiction parce que tu as méprisé la lampe de l'Éternel, aucun homme de Dieu ne peut te délivrer. Aucune prière ne peut te délivrer. Aucun homme de Dieu ne peut résoudre ce problème. Il n'y a que Dieu. Parce que ton dossier n'est plus au niveau des hommes, mais de Dieu. C'est ma bouche qui m'a tué. Le monsieur voyageait tranquillement, hein. The man was traveling calmly. Sans aucun problème, hein. Without any problem. En chantonnant. Singing. Comme un musicastre. Like a singer. Et il arrive au carrefour. He arrived at Voici le carrefour. À droite, c'est son village. Right, it's his à gauche, c'est le village Left, voisin. It is a à son village. Village. Et au carrefour, il trouve une tête coupée. The junction, they found a cut head. La tête dit que Mundoko Amon Baria, Mundoko Amon Baria. Que c'est ma bouche qui m'a tué, c'est ma bouche qui m'a tué, c'est ma bouche qui m'a tué. Il dit, comment une tête coupée peut parler? How can a cut head speak? Il dépose son sac. Au lieu de passer Instead of à droite, passing, aller dans right, ce village, go to fait comme s'il n'a rien vu. Like il dépose le sac. He puts down il s'accroupit à côté de la tête coupée. Down beside the cut il dit, que ouais, né? Combien il a, ouais? Ah, oui, combien il a? Que gars? Guy, tu dis que quoi? What are you saying? Quelqu'un s'y t'a tué. That what killed you. La tête a ouvert les yeux. The head opened Ça lui a dit que eyes. C'est ma bouche qui m'a tué, mon Said, frère. It is my mouth that killed me, my brother. Il dit que, hey, et tu parles comment? And how come you're Pourtant speaking? Tu es coupé. Meanwhile, ton corps, on ne sait pas où on a jeté ça. You don't know where your body is. Il dit, mon frère, says, my brother, c'est ma bouche qui m'a tué. It is my mouth Il a repris son sac. He took his bag. Au lieu d'aller dans son village, village, il va dans le village qui est à côté de la tête. To the neighboring village. Il dit, je veux voir le chef du village. I want to see the head of the village. On lui dit, pourquoi? Say, il dit, j'ai une information importante, capitale. Important On lui dit, c'est pas possible. Said, il dit, je vous possible. Dis, je veux voir le chef, c'est I urgent. Want to see the chief. It is urgent. On lui dit, pourquoi? They said, why? On lui dit, si ce pourquoi tu veux voir le chef n'est pas important, important, tu auras les problèmes. You have problems. Il dit, Allah, Allah, allons-y. On l'a amené chez le chef. They brought him to the chief. Avec son sac, hein. With his bag. Il y a quoi? What is wrong? Mon chef. My chief, votre majesté. His majesty. À l'entrée de votre maison, de At votre village, of your village. Il y a une tête coupée qui parle. There is a cut head that speaks. La tête a dit que c'est ma bouche qui m'a tué. It is my mouth that killed me. Le chef dit que une the tête coupée says, ne peut pas parler. A cut head cannot speak. Il dit, Kayo, man. Je vous dis qu'il y a la tête qui parle à l'entrée du village. Le chef dit que Les dogari, les gars du corps du chef dit qu'on n'a jamais vu une tête coupée sans corps qui parle. Et dit, venez voir alors. Come and see them. Le chef dit que si on se déplace, on If ne trouve pas la tête, on fait comment? The head, what do we do? Et dit, vous coupez aussi ma tête. You also cut my head. Si on va, on trouve que ce que tu as dit n'est pas ça. On fait comment? Et dit, vous coupez ma tête aussi. Le chef dit, ok, allons-y. On est sorti. Était devant. Arrive à distance, il voit la tête posée, il dit, non, mais il est tiré, je vous ai dit, voilà ça. Ah, vous ne voulez pas croire quand les gens vous sont sérieux. Il voit, il arrive. He arrives. Ils entourent la tête. They surround the head. Il se coupe. He bends. La tête a les yeux fermés. The head has closed eyes. La bouche fermée. Closed mouth. Et il s'accroupit. He bends. Il dit, horé, horé. Aïe, no, kombari, ma way. Que tête. Head, head. Tête coupée. Cut head. Tu disais que qu'est-ce qui t'a tué, ouais? What did you say killed you? La tête you? Ne parle pas. The head does not talk. Il dit que, horé? He said head. Horé? Combien là, ouais? Ah oui, compare ma ouais? Tête coupée? Cut tête head. Coupée? Cut head. Tout à l'heure, tu me disais quoi encore là, ouais? Tu peux répéter? La tête ne parle pas. Il bouge un peu les cheveux, la tête. Il dit, horé, horé? Où c'est ni, ouais? S'il te plaît, ouais? Please. Tu peux me dire quelque chose? Can you tell me something? La tête ne parle pas.
il se retrouve à les machettes qu'on aiguille. Il dit, oré, oré. Vous allez victorie, ma victorie, Allah. Y'a Tchamabi comme Bariba. Tête coupée, je t'en prie, je prie Dieu aussi. Je le veux. Tu disais que, qu'est-ce que tu as tué? La terre ne parle pas. Il dit aussi, c'est ma genou. Il dit, vous allez victorie, ma victorie, Allah. Je te prie, je te supplie, je supplie d'Allah aussi. J'ai une femme, j'ai des enfants, moi je voyage, je marche, je passe, je te prie, tu parles. Je suis venu, je t'ai demandé, il y a quoi, tu me dis que c'est ta bouche qui t'a tué, je suis à l'appel, je suis à l'appel, tu ne veux plus me parler, comment je t'en supplie, tête coupée. Qu'est-ce qui t'a tué? La tête n'a plus parlé. Le temps qu'il se retourne, il a fait ding. Il a coupé sa tête. Because ça a roulé. It rolled. C'est allé caler à côté de l'autre tête. On a jeté le corps en brousse, ils sont partis. To throw the body in the bush and the wind. Quand tout le monde est parti. When everybody left. La première tête a ouvert les yeux. The first head opened the eyes. Ça lui a demandé que toi qu'est-ce qui t'a tué? And asked you what killed you. Comme Barima, il a répondu que c'est ma bouche, mon frère. It is my mouth, my brother. Beaucoup de personnes meurent. Many people die. La bouche. The mouth. Hein? Omai kankofu. Gamhorego. Hundoko. Donc, je dis toi, Larry, non? Je dis que tu as masala bantu alarai. Amen. Beaucoup de gens dans l'église. Many people in church. Sont des morts vivants. Are dead living because of their mouths, murmurs contre les lampes de Dieu. Against the lamp of God. Il y a des gens. There are people. Tu ouvres ta bouche. You open your mouth. Die. Tu meurs. J'ai l'habitude de dire aux gens que moi je suis un mauvais ennemi. I'm a bad enemy. Je suis un bon ennemi. I'm not a good enemy. Quelqu'un me provoque un jour, je lui dis que bro, advice. I'm a bad enemy. I can kill you. Je peux te tuer. Die. Tu meurs. Moi, je ne maudis pas les gens. I don't tu ne vas jamais m'entendre. You'll never hear que me je te maudis. Saying I non. Curse you. No. Je fais un bye-bye, c'est fini. I just say goodbye, it's finished. Le Cameroun. Cameroun. Doit être lavé de la malédiction. Must be washed from the curse. De l'extinction des lampes de Dieu. Extensions of the lamps of God. Parfois même c'est tes propres enfants qui veulent éteindre sometimes la lampe. Sometimes it's your own children who want to quench the lamp. Tu vas l'enfant acheter le pétrole. You send vient, the child to buy petrol. He comes. Tu dis maman ma pétrole il cache. Il dit non le père laisse je mets d'abord dans la lampe. Dès que il met tu allumes, ça s'allume plus la lampe est éteinte pour toujours. On, the lamp is off forever. Des enfants mal intentionnés. Bad intentions. Tu laisses la lampe à l'enfant. Hein. Sinon, you leave your lamp to your les child. Gars défoncent vers le voury. They go towards the void. Et plonger ta lampe dans l'eau pour éteindre. Put your lamp in water to off le it. Cameroun. Cameroun est une nation qui éteint les lampes de Dieu. It's a nation that offs the lamps of God. Les chrétiens sont immatures. Parfois ce sont les hommes de Dieu même. Un homme de Dieu qui voit que sa lampe est éteinte pour l'autre allumer. Au lieu d'aller dire que mon frère pardonne, trouve-moi un peu l'huile pour que ma part aussi s'allume. For my own to be on. Il cherche à éteindre plutôt pour son frère. He il dit, donne ma part éteinte, so toi t'as pas allumé, tu es malade. Are you mad? Nous tous là, on va être dans le noir. All be in darkness. C'est ça la maladie du Cameroun. That is the sickness of dès qu'un homme de Dieu voit un autre homme de Dieu en train d'opérer dans des dimensions qu'il ne comprend pas, il commence à prêcher contre celui-là, c'est un faux prophète, c'est un mauvais prophète. Il commence à effrayer les gens. Je n'ai jamais prêché contre un homme de Dieu depuis que je fais le ministère. Dieu m'est témoin et je ne le ferai jamais. Que Dieu m'en préserve. Je n'ai jamais éduqué le peuple que Dieu m'a confié à mépriser les hommes de Dieu. C'est pour ça que nous sommes forts. C'est pour ça que dans toutes nos batailles, nous sortons plus que vainqueurs. C'est pour ça que nos ennemis se demandent quelle est notre force. Parce que nous ne tendons pas les mains contre because les lampes de Dieu. Mais nous protégeons et honorons les lampes de l'Éternel. Quoi que ces lampes ne brillent pas dans notre maison, nous reconnaissons leur brillance. Et nous célébrons le Dieu qui les a allumées. Je n'ai pas besoin de te combattre. I don't need to fight you. Non. No. Tu brilles. You shine. Je brille. Chacun brille à son niveau. Si ta lumière frappe 10 km, amen. Ma passe frappe 10 mètres, je me concentre sur mes 10 mètres. Vraiment, je m'en fous du reste. Really, I don't care about the rest.
Le ministère, ce n'est pas la comparaison. Ce n'est pas la compétition. Non. Fais ce que tu fais. L'autre fait ce qu'il fait. Ensemble, nous écrivons l'histoire pour Christ. Together we write story for Christ. Ce n'est pas une chose. Oh, ma lampe est plus grosse que ta part. Et là, papa, là tu es monté. Oh, là tu es descendu. Oh, quand on regarde bien, c'est la bougie que tu as. Une bougie éteinte même. La fumée qui monte. Dans le conseil que je vous donne, voici 2022 qui arrive. Méfiez-vous des histoires des hommes de Dieu. Be careful pas ta bouche of the stories of men of ne God. Meurs pas your mouth inside. Don't die for nothing. Ne meurs pas. Don't die for nothing. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Mettons demain, on va clôturer. Parce qu'à 5, on va beaucoup danser. Et on va prier. Impartition, chacun prépare son offrande. We pray impartition, everyone prepares his offering. De la montagne, la connexion pour 2022. Et il y a l'huile de faveur. Ceux qui n'ont pas encore pris leur bouteille, those who have not yet taken their bottle, l'huile de faveur est là. Oil of favor is there. Amen. Assure-toi d'avoir ta bouteille. Make sure you have your bottle. Et les hommes de Dieu qui sont là, men of God who are here, qui veulent présenter leur offrande pour 2022 pour leur ministère, le matin, après tout à l'heure, on va prier. Later on we'll pray. Et quel que soit le cas, tu as des dossiers, des photos de la famille, je vais mettre la main sur ça, je vais prier sur tout le monde. Amen. Amen. Dis au Seigneur, mon Père, mon Père. Tell the Lord, my Father, my Father. Épargne-moi. Spare me. D'être un ennemi. From being an enemy. De tes lampes. Of your lamp. Dans ma nation. In my nation. Au contraire. Instead. Je veux contribuer. I want to contribute. À faire briller tes lampes. To make your lamp dans shine. Dans le nom précieux de Jésus Christ. In the precious name of Jesus Christ. Ouvre la bouche et fais cet engagement devant le Seigneur. Open your mouth and do this engagement. Je vais remémorer vos dieux. Et chère amie, mourez-vous, dire amie, c'est gros. Sur faire amie, mourez-vous, ban salaud, la souris. Et je vais amie, mourez-vous, dire le chère amie, mourez-vous, dire. On se remet, mourez-vous, ban à ce logez-vous, chère. Sore gué-vous, mère, d'elle, sur me, c'est faro. Et chère amie, mourez-vous, si. Azuri, Yerami Murabana Udelo Felo Gasuri. Si tu es sur cette montagne, tu veux te mesurer à Dieu, continue à parler contre nous. You're on this mountain, you want to measure mais si tu to veux God, que Dieu te donne une seconde chance, but if you want God to give you a dis mon Père, chance, mon Père, say, my father, my je te father, demande pardon. I ask for forgiveness pour chaque fois for every time que j'ai traversé la zone rouge I cross the red zone concernant tes lampes. Concerning your lamps. Aujourd'hui, j'ai compris today, I understood, et je me repens and I repent de chaque fois every time où ma bouche my mouth s'est ouverte was opened contre tes serviteurs against your servant. Pardonne mon iniquité. Forgive my iniquity. Et loin de moi la malédiction. Bring away from me the au curse. Nom du Père. In the name of the au Father. Nom du Fils. In the name of au the nom Son. Du Saint-Esprit. In the name of the Holy Ghost. Dis amen trois fois et c'est scellé. Amen three times and it is sealed. Alléluia. Reposons-nous, on revient à 5 heures. Shalom, shalom, shalom. Paramila, sarami mole goimo, siri. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Tell your neighbor you love him. Oh, sarami mole goi, ak sarami mo jerameloi, sevaromi moltei, malogelo. Eiso ferami monra ifilimin. Ana utel morabana surami le infilmuna umina indalo akse faromina Elohim sarami munra amsora esurami molevalo aksurum malagero en serai filiamaro Antali tu minato
une seule mais la vôtre. Pesra mora ina amourni, salami mora banandiku, salami mora ban salo, nel flumin ate matadiku. En suru mi ma e fli amazara mi manola fil malo mi la lola asura mi morevo e jera me em lo ma salome en suru mi na lo En surum mina lo del fo bin aramilo le Le Seigneur m'a fait grâce en arrivant ici. Le Seigneur a lu les pensées de mon cœur, comme il dit qu'il nous donnera selon le désir de notre cœur. Donc je bénis le nom de l'Éternel parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Parce que en venant ici, tout ce que mon prophète m'a révélé, c'est les questions que je me posais. Et quand je suis arrivée ici, quand il a prophétisé sur moi, il a répondu à toutes mes questions. Et je rends infiniment grâce à Dieu. Parce que je sais que en descendant de cette montagne, toutes les portes sont ouvertes. Les mariages qu'il n'y avait pas dans ma famille, les mariages vont tomber en abondance. Et je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis notre papa. Que les portes de cette église s'ouvrent aussi. Que la lumière de Dieu brille dans la vie de notre papa. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je bénis d'abord le Seigneur pour ce privilège. Je rends vraiment grâce à Dieu pour son serviteur, son oint, le vérend Papa Ferdinand Canet, pour cette initiative. Vraiment, ce programme de pèlerinage, c'est un programme vraiment puissant. Pour ce pèlerinage, je rends grâce déjà pour tous les participants, parce que déjà venu jusqu'ici, c'est un grand sacrifice. Et durant ce pèlerinage, j'ai béni le Seigneur pour les différents enseignements, tellement pleins de révélations.
des enseignements édifiants qui ouvrent l'esprit et donnent l'entendement. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce dans la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont fait le déplacement en ce lieu, pour le programme avec les chaînes, avec les prières permanentes à chaque heure, des sujets de prière vraiment forts et puissants. Je crois que tous ceux qui ont fait le déplacement pour ce pèlerinage ne le regretteront jamais. Et que ce pèlerinage, comme le Père l'a dit, qui est le pèlerinage qui a reçu déjà jusqu'ici le plus de participants, je crois que ce pèlerinage va entrer dans les annales de cette initiative. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce programme. Je crois que ce pèlerinage va en rentrer de ce pèlerinage avec des grands témoignages. Nous ne rentrerons plus tel que nous sommes venus. Parce que tout ce qui a été dit ici et tout ce qui a été reçu, de même que les sujets de prière, sont tellement puissants. La main de Dieu a agi tellement en ce lieu et nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Que l'Éternel continue d'élever, de doindre davantage son oint, qu'il veille sur lui et qu'il suscite à travers lui, dans cette initiative, des géants à sa dimension au nom de Jésus. Amen. Je veux saluer tous les téléspectateurs. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être sur la montagne. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que je suis venu de loin. Il m'a protégé. Il m'a protégé. Je lui rends vraiment grâce. J'étais tellement béni sur cette montagne. Le fait d'être près de papa et d'être plus près de Dieu, ça m'a fait du bien, tellement du bien, tellement du bien. Donc je suis très ému, très ému. Et je pense que l'année prochaine, j'y serai encore. Amen. Merci de m'avoir passé ce micro. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi sur cette montagne. Parce que vraiment, je continue à bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que mon arrivée ici, j'ai reçu ce que je suis venu chercher. Parce que tous ceux qui sont venus jusqu'à cette montagne ont trouvé grâce devant le Seigneur. Parce que ce qu'il a mis sur notre oint, si le peuple bien-aimé pouvait connaître, c'est que tous ceux qui quittent ici à Rema vont témoigner. Il y aura des témoignages, des grands témoignages qui vont continuer et qui vont aller jusqu'à 2022. Ça va continuer. Et le peuple verra ce que la main forte de l'Éternel est sur Rema. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je rends grâce pour cette année. Comment on a été à la montagne, ce que nous ressentons. Et ça s'est bien passé. J'ai bien, tous les trois jours que j'ai fait, j'ai bien passé, ça s'est bien passé. Et j'ai retrouvé, je peux dire, dans ma vie, parce que beaucoup de choses, j'ai trouvé grâce ici. Mes frères et sœurs, je veux témoigner qu'il y a Dieu ici à Rema. Parce que depuis que je suis dans cette en montagne ici, je ressens beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et que tout ce que j'étais en train d'attendre est en train de se réaliser. Donc 2022 pour moi, je sais que ça va bien se passer et j'aurai le dessus sur toutes mes montagnes. Merci. Merci. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce pèlerinage. Je bénis le don de Dieu dans la vie de papa Ikane. C'est une grâce pour moi d'être ici, pour ce pèlerinage ici. Parce que plusieurs fois, je l'ai vu à la télévision, je l'ai écouté. J'ai écouté ses enseignements et toujours ça m'a fait du bien. Il fut un moment où ma foi un peu basculée là. J'ai même voulu renoncer un moment à cause de certains problèmes dans notre ministère
y avait beaucoup d'enfants de Dieu même dans le monde. Mais la grâce de Dieu m'a été accordée. En ce moment-là, Dieu a permis que je puisse voir Zoé Chanel et les enseignements que papa donnait, moi, ça me fortifiait. Et c'est ça qui me maintient debout jusqu'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et j'ai l'assurance, la ferme assurance, que si je suis ici à la montagne, c'est le plan de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi. J'ai béni le Seigneur pour cela. Merci. Amen. Moi, je suis venu faire le Kongoussa parce que j'aime beaucoup le Kongoussa. Tu sais, quand on cherche, on ne nous voit pas. Mais quand on est déjà devant les gens, c'est là que les gens voient ce que nous avons. On a dormi 3 jours sur la pierre. On a dormi 3 jours sur la pierre. Les gens ne voient pas, mais ils vont seulement voir les voitures qu'on va acheter pour dire que nous sommes des sorciers. Et je suis en train de dire ceci. La sorcellerie de papa est quand nous on est entré dedans. Donc comme on est venu, on a porté pour aller exploser avec. Donc comme ils roulent dans les voitures, c'est la même chose que nous-mêmes, on va aller rouler dans les voitures pour que la sorcellerie prenne tout le Cameroun. Ah. Je suis ravi d'être ici parmi nous ce soir. L'année 2021, le fait où je me suis retrouvé encore ici ce soir, m'intéresse beaucoup. Et en plus, l'enseignement du Père, c'était comme si c'était mes comportements, en fait. Parce que je n'ai pas su un jour que... L'orgueil, c'est ma chose. L'orgueil, c'est ma chose. Et puis, là, du coup, je sais qu'en descendant, je ne serai plus la même personne. Je suis tellement ravi. People of God, praise God. Praise God again. I'm happy to see you people because I came from my station to this mountain. They told me that there will be a prayer in a mountain. I came and I joined them. Immediately the prayer starts, something happens, so many things. Power of God existing here is too much. Immediately man of God came and saw me, I explained my problem to him. He prayed to me. I see difference. Here is test and see. If you have problem, come for this mountain. That problem, God will solve it for you. Never mind. Try to come and see what I'm talking. I have come and I witness it. Thank Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce programme, pour cette retraite. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et je sais qu'en descendant de cette montagne, beaucoup de choses vont changer. Je rends grâce à Dieu pour les enseignements. Je rends grâce à Dieu pour la transformation. Je rends grâce à Dieu pour le prochain niveau. Je rends grâce à Dieu pour l'année 2022. Et des nouvelles résolutions ont été prises. Et je crois que par la grâce de Dieu, Satan a chaud. Ok, merci bien-aimé. Et ça, c'est l'une de mes premières fois d'effectuer un pèlerinage. En tant qu'un ancien de la CBC, Rema Ministry Mission, pour moi, vraiment, c'est une expérience. Une expérience fantastique dans le Seigneur de la part de notre Père, le prophète Ekané Ferdinand. Et j'ai reçu vraiment des merveilles. Pour tout dire, j'ai reçu des merveilles. Et cela m'a amené à penser déjà à l'année prochaine, comme nous l'avons su prier d'ailleurs. Et 2022, comme le Père l'a su déclarer, des prières, des témoignages et l'éducation que le Père nous a donnée
à travers beaucoup de passages bibliques. Vraiment, pour moi, ça a été un exploit. Je pense qu'au travers de ce que j'ai reçu, je vais en donner le témoignage à mes frères, à ma famille, pour que, s'il plaît à Dieu, à la fin de l'année 2022, nous puissions nous retrouver ensemble. Merci bien. Amen. Madame. Merci. Merci beaucoup de m'avoir passé le micro. Je rends grâce à Dieu parce que quand je montais sur cette colline, je n'arrivais pas à marcher. J'avais tellement mal à l'estomac. Mais depuis que je suis arrivée ici, là, hier même, je ne savais pas que je pouvais jeûner. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait le jeûne des 2 jours. J'ai fait le jeûne tous les deux jours et je ne me sens plus mal. Donc je remercie Dieu parce que je descends libérée. Merci. Bon, moi, pour moi, c'est une première expérience et je rends grâce à Dieu aussi, car c'est notre Dieu aussi, à tout le monde. Bon, il m'a changé beaucoup de choses dans mon cœur et je pense que l'année qui arrive là, avec l'aide de Dieu, je pense que je vais pouvoir réussir beaucoup de choses. Et je sais que je serai toujours près de Dieu, car je sais que je pourrai être protégé pour beaucoup de choses aussi. Merci. Bonjour. Je suis le prophète Médakin Ayomo. C'est ma 5e expérience de venir sur cette montagne. Je suis un habitué, c'est devenu une culture pour moi. C'est bien le Seigneur qui m'a donné Papa Ikani comme un patera pédagogos. C'est Dieu qui me l'a connecté sur le plan spirituel. Donc, par rapport à mes impressions pour ce pèlerinage, je rentre franchement enrichi par certaines révélations, par certaines connaissances qui feront en sorte que ma vie, mon ministère ne soit plus jamais le même au nom de Jésus. Je suis venu préparer l'entrée triomphale pour l'année 2022. En descendant ce matin, je suis convaincu que toutes les prophéties qui ont été données ici par loin de Dieu vont s'accomplir non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous qui sont venus ici et ont eu un cœur sincère. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je prie que le Seigneur lui accorde la provision pour accomplir sa vision. Que le Seigneur l'élève de plus en plus, qu'il continue à œuvrer pour l'agrandissement de l'œuvre de Dieu, pour la délivrance, la restauration de son peuple, non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je veux d'abord retourner toute la gloire à l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Et en plus, je veux remercier d'abord le père de la maison, le prophète Ferdinand Ekani, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce que c'est tellement grandissime. Nous saurons comment expliquer toutes les formules, les secrets qu'il nous accorde depuis ces 3 jours sur la montagne. Déjà en passant, ça c'est ma 2e édition. J'étais ici en 2019, et me voici pour la 2e fois. Déjà la 1e fois, j'ai été exaucé, et voici la 2e fois déjà, j'ai encore repris un autre fait. Et je rends tellement grâce à Dieu pour ce fait. Il est tellement merveilleux. Je ne saurais comment le remercier. Les mots me manquent. Et je ne pourrais que dire que le Seigneur continue à faire des grandes choses au travers de la vie du prophète Ferdinand Ekani, qui le fortifie, qui l'accorde longévité, qui veille sur lui et qui apporte encore plus de secrets cachés. Selon Jérémie 33, verset 33. Jérémie 33, verset 3. Et qu'il utilise encore plus que présentement. Amen. «
Je dis bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Zoé Channel. Je suis le serviteur de Dieu, Pierre-Yves Ndongoumekoulan, appelé au ministère apostolique, fondateur du ministère Mountain of Lord for All Nations. Nous sommes basés à Kribi. C'est ma première expérience ici sur cette montagne que j'appellerai montagne de la transformation. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la vie de mon mentor, le révérend prophète Ferdinand Ekané, pour la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Et je suis venu ici, je l'ai expérimenté et je rentre étant rempli. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu qui est en train de patauger, qui est en train de chercher comment faire, viens te connecter à ce papa. Il s'agit d'une source qui coule et qui coule vraiment. Je rends grâce au Seigneur pour des mystères qu'il révèle à cet homme de Dieu et qui peuvent faire décoller une personne qui ne savait pas comment s'envoler. Dans l'une de mes publications avec lui, je l'ai dit qu'il faut s'attacher aux aigles pour voler haut. Donc, je lance l'appel à tous les hommes de Dieu. Tout ce qu'on peut dire du prophète Ferdinand en mal, cela est faux. Tout ce que vous pouvez entendre comme murmure, comme mauvaise parole, cela est faux sur lui. Il est véritable serviteur de Dieu de notre époque, ici au Cameroun et hors des frontières camerounaises. Si tu veux expérimenter comme moi, viens expérimenter aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. La montagne, c'est une deuxième expérience pour moi. Et comme l'année dernière, ça s'est encore très bien passé. Les enseignements de l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekané, nous avons encore été édifiés. Nous avons encore été tellement restaurés et le Saint-Esprit a encore travaillé. Toi, peut-être qui n'as pas eu l'occasion cette année de venir, je t'invite l'année prochaine parce qu'ici à la montagne, l'onction est vraiment redoutable. Nous bénissons l'Éternel pour le magnifique Père spirituel qu'il nous a donné. Et déjà, bonne année 2022 à tout le monde. Merci.